Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Simon Forêt et je suis chercheur en chimie à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, je participe au rendez-vous SIRCA 2021 du MAPAC pour vous présenter les résultats de recherche concernant le développement d'un outil pour les producteurs et les productrices acéricoles, le test colori. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le plan de la présentation. Aujourd'hui, on va vous parler en premier lieu de la problématique à laquelle on a voulu s'attaquer avec le développement du test colori à l'Université de Montréal. Ensuite, on va parler du principe physico-chimique du test colori pour ensuite vous montrer les analyses sur le sirop d'érable qui ont été faites à l'aide du test colori en 2019. Ensuite, on va parler de l'utilisation du test colori dans les érablières. Et finalement, on va conclure avec les recherches qui sont en cours à l'Université de Montréal afin de continuer le développement du test coloré. Donc, pour la problématique, c'est en 2017 que l'aventure du test coloré commence quand les PPAQ approchent Jean-François Masson, qui est professeur de chimie à l'Université de Montréal, afin de développer une méthode rapide, simple et peu coûteuse pour aider les producteurs et les productrices acéricoles à détecter directement la cabane à sucre, la sève et le sirop d'érable qui pourraient goûter le bourgeon lors de la production. Donc, la problématique ici, c'est que pour l'instant, les producteurs et les productrices n'ont pas de moyens efficaces de prédire l'émergence de saveurs hors normes, comme le bourgeon, dans le sirop d'érable avant sa production en érablière. On doit même attendre le classement officiel fait par ASAR des inspections avant d'avoir le classement officiel. L'hypothèse de départ sur laquelle on s'est basé, c'est si les sirops d'érable aux saveurs hors normes, comme le sirop qui goûte le bourgeon, par exemple, possèdent des caractéristiques physico-chimiques uniques, mais alors on pourrait développer un test qui va venir mesurer ces propriétés physico-chimiques-là pour outiller les producteurs et les productrices lors de la production de sirop d'érable. Donc, ça, c'est l'hypothèse de départ qu'on pose avant de développer le test colori. Parlant du test, dans la prochaine section, on va regarder les principes physico-chimiques du test coloré. Premièrement, le développement du réactif. Donc, le réactif du test coloré qui a été développé à l'Université de Montréal, c'est composé de nanoparticules métalliques en or, donc de très, très, très petites billes d'or qui, dans leur état initial, vont apparaître rouges en solution aqueuse, donc dans l'eau. Lorsque cette solution de nanoparticules d'or métallique-là est mise en contact avec du sirop régulier, donc quand on ajoute du sirop régulier sans défaut de saveur à cette solution-là, on va observer aucun changement de couleur. Donc, le réactif ne réagit pas à ce type de sirop-là. Toutefois, si on choisit un autre sirop d'érable, un sirop d'érable qui a un défaut de saveur, comme par exemple les sirops d'érable qui sont issus de la catégorie VR5 qui ont un goût de bourgeon, et qu'on l'ajoute à cette solution de nanoparticules d'or-là, bien, on va observer un changement de couleur du rouge vers le bleu. Ce changement de couleur-là, il va être causé par un changement d'état des nanoparticules dans la solution suite à l'ajout du sirop d'érable. Ce changement d'état-là, c'est un changement de l'état dispersé, donc où les nanoparticules vont se repousser entre elles, à un état où elles vont s'attirer, à un état où elles vont s'agréger en des petits paquets de billes d'or. Et ça, on dit que les particules sont dans un état agrégé. Donc, la cause exacte de cette agrégation des nanoparticules, quand elles sont mises en contact avec des sirops qui proviennent, par exemple, du classement VR5, et la non-agrégation des particules d'or quand on les met en contact avec des sirops réguliers, reste encore méconnue. Mais il y a de la recherche qui se fait à l'Université de Montréal afin de mieux comprendre ces mécanismes-là. Je vous ai mis ici une image pour laquelle on peut voir les différentes couleurs qu'on peut obtenir avec le test coloré. Dans le fond, ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait varier la concentration de certaines familles de molécules qui causent une agrégation. Donc, on voit tout le panel, tout le spectre des couleurs qui peuvent être obtenues avec le test coloré. Parlant du test coloré, je vous ai parlé un petit peu comment ça se fait. Donc, on ajoute du sirop d'érable à une solution de nanoparticules d'or, mais plus dans les détails, comment on va le faire à l'Université de Montréal, c'est premièrement, on va avoir un échantillon de sirop d'érable
dont on ne connaît pas le classement. Donc, les tests sont faits à l'aveugle et on va ajouter une certaine quantité, qui est tout le temps la même quantité qui est ajoutée au réactif en solution, donc qui est rouge initialement. On va attendre un petit temps, quelques minutes, pour voir s'il y a un changement de couleur. Donc, comme vous avez vu sur la diapositive précédente, il y a tout un spectre de couleurs qui peuvent être obtenues avec, suite à la réaction du test colorié. Et afin d'avoir une meilleure prise de données, on ne va pas faire les mesures à l'œil, comme ça pourrait être fait, mais à l'aide d'un outil spécialisé qui est un spectrophotomètre qui va venir nous donner une plus grande précision sur la couleur et sur l'état d'agrégation des nanoparticules. Et c'est comme ça qu'on va déterminer si oui ou non il y a eu une réaction du test colorié suite à la mise en contact avec l'échantillon de sirop d'érable. Donc, s'il n'y a eu aucune réaction, on va faire une prédiction que le sirop est régulier. Et s'il y a eu une agrégation, on va faire une prédiction comme quoi que le sirop est issu de la catégorie VA5. Plus en détail, une fois qu'on sait ça, on a voulu valider cette hypothèse-là, comme quoi on était capable, à l'aide du test colorié, de séparer efficacement les sirops des extrémités du classement. Donc, d'un côté, les sirops réguliers et de l'autre, les sirops VA5. Donc, pour ce faire, on a été à l'entrepôt de Laurierville puiser 2000 sirops d'érable qui étaient classés réguliers ou VR5 pour être analysés à l'Université de Montréal. Une fois à l'Université de Montréal, on a fait les tests coloris, comme je vous ai expliqué précédemment, pour être en mesure d'effectuer des prédictions sur le classement de ces sirops-là qui étaient testés à l'aveugle. Une fois qu'on avait fait nos prédictions, donc aucune agrégation, le réactif reste rouge, on fait une prédiction régulière. Et s'il y a un changement de couleur vers le bleu, donc une agrégation de nanoparticules, on faisait une prédiction VA5 et qu'on comparait ça au classement original des PPLQ, on avait un taux de succès de 98%, ce qui est excellent. Donc, une fois qu'on a eu ces bons résultats-là, on a voulu se pencher sur les causes de cette agrégation-là. Donc là, on sait que le sirop VR5 a minimalement une propriété physico-chimique qui est unique par rapport au sirop VR5 et c'est que cette propriété-là est capable d'engendrer une agrégation des nanoparticules et donc un changement de couleur du rouge vers le bleu. Mais on a regardé quels sont les paramètres physico-chimiques qui étaient capables de faire réagir le test colorié. Et ensuite, on allait pouvoir regarder si ces sirops, les sirops VR5 avaient cette propriété physico-chimique-là. Donc, la première caractéristique qu'on a voulu regarder, c'est les sucres. Principalement pour pouvoir éliminer ce facteur physico-chimique-là, puisque le sirop d'érable, c'est essentiellement des sucres. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait des solutions de sucrose, de glucose, de fructose et des solutions mélangées de tous ces sucres-là pour voir si on était capable d'engendrer un changement de couleur, une agrégation des nanoparticules. Donc, heureusement, bonne nouvelle, il n'y a aucun effet des sucres sur le test colorié. Donc, on peut avoir, par exemple, un sirop qui est uniquement composé de sucrose à 70, 66, 65, 62, 10 Brix, il n'y aura aucune réaction. Et même chose si on ajoute du glucose et du fructose. Donc, bonne nouvelle. Ensuite, on a regardé le pH. Parce qu'on sait que le pH, ça peut être une cause de l'agrégation des nanoparticules quand on regarde la littérature scientifique. On voulait voir si c'était le cas dans le sirop d'érable. Donc, dans le sirop d'érable, le pH est généralement entre 6,2 et 7,8. Et on a testé différents sirops d'érable qui avaient différents pH. On a également dopé des sirops d'érable avec des solutions pour faire varier artificiellement le pH de ces sirops-là. Et il n'y a eu aucun effet majeur qui a été noté sur la réaction du test colorié. Donc, on sait aujourd'hui que le pH n'est pas un facteur physico-chimique important dans l'agrégation des nanoparticules et donc dans le changement de couleur. Ensuite, on a voulu regarder les sels et les minéraux. Au même titre que les sucres, les sels et les minéraux sont désirés dans le sirop d'érable. Donc, on ne veut pas que la concentration de sels et minéraux vienne avoir un impact sur l'agrégation des nanoparticules. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a ajouté différentes solutions qui contenaient différentes concentrations de ces sels et minéraux-là. Et heureusement, aucune réaction n'est observée. Finalement, c'est les molécules organiques. Donc, si on prend du sirop d'érable, on enlève les sels et minéraux, on enlève l'eau, on enlève les sucres,
mais il reste 1 % de molécules organiques. Là, c'est toute la magie du sirop d'érable est dans ce 1 %-là. Donc là, on a voulu regarder l'impact de différentes familles de molécules organiques sur la réaction du test coloré. Mais les résultats, c'est que c'est compliqué et je vous explique pourquoi. Donc, dans cette diapositive-là, vous voyez une panoplie de molécules organiques qui ont été identifiées dans le sirop d'érable et d'autres non, pour voir si elles étaient capables à elles seules d'engendrer une réaction dans le test coloré. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a pris une molécule, on l'a diluée dans l'eau et on a ajouté cette molécule-là directement au réactif, donc aux nanoparticules d'or, pour voir si cette molécule-là était capable à elle seule de faire réagir le test colorimétrique. Donc, je ne passerai pas une molécule à la fois, mais pour votre indication, quand on voit des points rouges, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune réaction qui a été engendrée par cette molécule-là, et quand on a des points bleus, c'est-à-dire que cette molécule-là à elle seule a été capable d'engendrer une réaction du test colorimétrique. J'attire votre attention sur les molécules organiques avec une flèche verte. Ces molécules-là, ce sont des molécules qui ont été identifiées dans le sirop d'érable, dans la littérature scientifique, et qui ont un effet positif sur le sirop d'érable. On va prendre, par exemple, l'acide ascorbique, qui est un antioxydant. Bien, souvent, on va dire du sirop d'érable que ses propriétés antioxydantes sont un effet désiré. Donc, on ne veut pas que, ou c'est non désiré, que le test coloré réagissent aux propriétés désirées d'un sirop d'érable. Donc, bonne nouvelle, dans le cas de molécules antioxydantes, bien, il n'y a aucune réaction du test coloré. Même chose pour la vanilline, qui est une molécule organique qui est désirée au niveau des saveurs du sirop d'érable. Aucune réaction au niveau de molécules qui ont un effet positif sur les saveurs du sirop d'érable par rapport au test coloré. Ensuite, j'attire votre attention sur les molécules organiques avec des flèches rouges. Ces molécules organiques-là ont été identifiées dans le sirop d'érable et ont été montrées comme étant des marqueurs ou des précurseurs de défauts de saveur dans le sirop d'érable. J'attire votre attention notamment sur le DMDS et la méthionine, qui sont deux molécules qui ont été le sujet de recherche au centre ACER et qui ont été démontrées à être reliées au goût de bourgeon. Donc, on voit pour ces molécules-là qu'à elles seules, elles sont capables d'engendrer un changement de couleur du test coloré, ce qui est une excellente nouvelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette diapo-là? C'est que le test coloré ne réagit pas pour des molécules qui sont désirées, il réagit pour des molécules qui sont indésirées dans le sirop d'érable, ce qui explique les résultats qu'on a obtenus avec les sirops réguliers et VR5. Donc, en conclusion sur les propriétés physico-chimiques, le test coloré, ça mesure quoi? Ce qu'il faut retenir, c'est que, premièrement, les origines moléculaires des défauts de saveur hors normes, comme le bourgeon, reste encore méconnu. Donc, c'est difficile de venir identifier une famille de molécules ou un paramètre physico-chimique qui est directement responsable de ça. Donc, c'est impossible de développer le test en conséquence. Ce qu'il faut retenir, c'est que le sirop d'érable, c'est une matrice complexe qui possède des propriétés physico-chimiques qui sont aussi complexes. Et donc, il y a certains de ces paramètres-là qui semblent bien réagir au test colorimétrique. Donc, les questions qui se posent pour le futur, c'est est-ce qu'il existe une corrélation entre le résultat du test coloré et les propriétés sensorielles? Donc, est-ce qu'il existe un lien entre l'agrégation des nanoparticules et les propriétés des saveurs sur des rames? Et ensuite de ça, est-ce que c'est possible d'avoir une réaction du test coloré qui serait un indicateur du classement d'un échantillon de sirop d'érable à l'aide du test coloré? Bien, c'est ce qui a été étudié en 2019 avec l'analyse du sirop d'érable avec le test coloré. Donc, dans cette section-ci, on va faire un survol de l'étude de 2019 dans laquelle l'Université de Montréal, en collaboration avec les PPAQ et le Centre ACER, ont analysé 30 000 échantillons de sirop d'érable aléatoires provenant de la saison acéricole 2019. Donc, ces 30 000 échantillons-là ont été puisés chez Citadel et récoltés par ACER Division Inspection pour être envoyés à l'Université de Montréal. Ensuite de ça, on a demandé aussi à 10 producteurs et productrices de récolter quotidiennement
des échantillons de sève et de concentré de sirop d'érable, aussi pour des analyses à l'Université de Montréal. Les objectifs de cette étude-là, c'était d'étudier le comportement du test Colori sur l'ensemble des catégories de classement utilisées par les PQRQ. Donc, si vous vous souvenez bien, l'étude préliminaire qui validait un petit peu le fonctionnement était faite avec des sirops aux extrémités du spectre du classement, donc des réguliers et des VR5. Mais il n'existe pas juste ça, les VR1, 11, 12, 13, les crochets, les VR4, 41 et compagnie. Donc, il faut tout regarder comment ces classements-là, ces sirops dans ces classements-là réagissent aux tests coloris. Ensuite, ben, on a voulu améliorer l'efficacité des résultats par rapport à 2018 pour minimiser les faux négatifs et les faux positifs avec les tests coloris. Donc, voici les résultats qu'on a obtenus. Donc, c'est un graphique quand même assez complexe. On va essayer de passer ça ensemble. Donc, vous avez à gauche l'ensemble des classements qui pour chacun des types de sirop d'érable. Donc, là, vous avez de réguliers en bas, en passant par les crochets, les VR1, VR4 et VR5. Vous avez les boîtes orange et brune qui correspondent aux résultats qui ont été obtenus des sirops d'érable dans ces catégories de classement. En bas, vous avez des chiffres qui varient de 515 à 635. Ça, c'est les maximums d'absorbance qui ont été obtenus avec le test Colori. Donc, ça, c'est les composantes de la lumière qui ont été analysées par les spectrophotomètres, comme je vous ai mentionné précédemment. Donc, c'est les composantes de la lumière, c'est à quel point le test réagit. Donc, je vous ai mis aussi une indication en bas de couleur, qui est l'intensité de la réaction du test Colori. Donc, vous avez de 520, aucune réaction, ça reste très rouge, à une faible réaction dans les environs des maximums d'absorbance de 535 à 575. Et plus qu'on va monter dans les maximums d'absorbance, plus qu'on va avoir une intensité forte du test Colori. C'est important de mentionner que plus qu'une réaction est forte, plus que l'échantillon qui va avoir été mesuré, qui a réagi fortement, a une haute concentration des molécules ou des paramètres physico-chimiques qui causent une agrégation des nanoparticules. Donc, quand on regarde classement par classement, qu'est-ce qui se passe avec la réaction du test Colori? On voit que les sirops réguliers, donc en bas complètement du graphique, il n'y a aucune réaction du test Colori. C'est tout le temps rouge. Donc ça, c'est un bon indicateur. C'est bon pour le test Colori. C'est-à-dire que quand on prend des sirops qui ont été goûtés par des inspecteurs et on dit « ce sirop-là n'a aucun défaut », mais il y a presque tout le temps aucune réaction du test Colori. Ensuite de ça, si on monte, on va dans les crochets. Les crochets, ce sont des sirops pour lesquels un inspecteur ou une inspectrice a mentionné qu'il y avait un petit défaut de saveur. Mais là, on voit qu'on commence à avoir une réaction du test Colori. Donc, la bande qui est très large, ça veut dire qu'on a vraiment beaucoup de sirops qui ont réagi différemment au test Colori, mais tout le temps dans les environs d'une aucune réaction vers une réaction moyenne du test Colori. Donc, c'est normal, puisque les crochets, on peut avoir la limite entre un crochet et un régulier avec un très, très, très léger défaut de saveur. On peut avoir aussi de l'autre extrémité qui est entre crochet VR, où est-ce qu'on a un défaut qui est un petit peu plus présent. Donc, c'est normal qu'on, dans cette catégorie-là, on ait un étalement des résultats du test Colori entre aucune réaction à une réaction moyenne. Ensuite de ça, quand on regarde les VR1, donc dans les VR1, je vais attirer votre attention sur les sirops VR12, 13 et 14, qui sont des défauts qu'on associe à la fin de la saison à Circle. On voit que ces sirops-là ont une réaction qui est moyenne au test Colori. Donc, c'est un indicateur que ces sirops-là contiennent quand même une bonne quantité de molécules qui font réagir le test Colori. Si on monte ensuite tout de suite à l'autre extrême, les sirops VR5, vous voyez que là, on a aussi une très forte réaction du test Colori à ces sirops-là, et même un petit peu plus forte que les sirops VR1, donc qui sont 12, 13 et 14. Donc ça veut dire que ces sirops-là sont plus concentrés en des molécules qui font réagir le test Colori. Ce qui est une bonne nouvelle ici, c'est que sur l'entièreté du spectre du bourgeon, donc de aucun régulier, en passant par très peu crochets, en passant VR1 à VR5, on a une réaction de plus en plus forte du test Colori. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite de ça, si on regarde deux classements un petit peu plus particulièrement, VR11. Le VR11 est un défaut naturel qui est surtout associé au début de la saison. Puis on voit que
malgré que ce soit un défaut de saveur, ce défaut de saveur-là réagit aucunement au test calorique. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que particulièrement, ce défaut de saveur-là ne possède pas les propriétés physico-chimiques pour pouvoir réagir au test calorique. Ensuite, si on regarde les VR4, mais les VR4, c'est des défauts artificiels. Dans cette catégorie-là, on retrouve autant des sirops de fin de saison qui auraient pu être brûlés. Donc, c'est des sirops qui possèdent des propriétés de sirop de fin de saison, mais qui ont un défaut artificiel, autant que des défauts qui sont associés à un début de saison, que des défauts qui peuvent aussi être associés à l'antimousse et des trucs comme ça. Donc ça peut survenir n'importe quand dans la saison. Et c'est pour ça qu'on a un étalement aussi important des résultats par rapport à ces classements-là. Bref, ce qu'il faut retenir de cette diapositive-ci, c'est que sur le spectre du bourgeon, plus qu'on réagit fortement, plus qu'on est associé à des défauts BR5. Ensuite de ça, mais si on prend des sirops à l'aveugle sans connaître le classement et qu'on fait le test calorique dessus et qu'on a un résultat donc avec aucune réaction, donc on reste dans le rouge à 520, on n'est pas capable de faire la différence entre les BR11 et les crochets et les réguliers. Donc ça peut être un problème ça peut être un problème pour le test calorique dans le futur. Même chose, à l'autre bout du spectre, on voit qu'il y a un chevauchement entre les résultats qui sont associés au VR12 et au VR5. Ça, c'est un problème qui est souvent noté dans l'industrie, le rapprochement des propriétés sensorielles de la VR12 et le VR5. Mais on voit un petit peu que le test calorique est confronté à la même problématique ici. C'est qu'au niveau des résultats du test calorique, ici au VR12 et VR5 réagissent sensiblement de la même façon, même si les sirops VR5 réagissent plus fortement. Donc, ça, c'est les résultats qu'on a eus en 2019. Très intéressant. Par contre, c'est des analyses qui sont faites après la production du sirop d'érable, direct au classement. Là, on va parler de l'utilisation du test calorique dans les érablières. Parce que c'est ça, le vrai objectif du projet calorique, c'est d'outiller les producteurs et les productrices à l'érablière directement. Donc, en 2019 et en 2020, on a plusieurs entreprises qui ont participé à un projet pour tester l'utilisation du test calorique dans les érablières. Donc, dans ces entreprises-là, on avait des entreprises aux quatre coins du Québec afin de minimiser les effets de région. Et on avait aussi des différents types d'entreprises, de plus petites à artisanales à des plus grosses industrielles. Et on avait aussi la participation des clubs d'encadrement technique en acériculture qui participait au test, l'essai du test calorique dans les érablières. La première version qui avait été mise à l'essai dans les érablières, c'est une version dans laquelle, je vous amène au schéma en bas, on prenait un échantillon de sirop d'érable à analyser, on ajoutait quelques gouttes de sirop d'érable dans une éprouvette, on brassait cet échantillon-là et on regardait directement à l'œil l'interprétation de la couleur. Si la couleur du réactif changeait vers le bleu, bien là, on savait qu'on était dans une zone dangereuse. Et si le réactif restait rouge, bien on savait qu'on était dans une zone associée plus au sirop régulier. Pendant cet essai-là, en 2019, il y a quand même eu des problématiques importantes qui ont été soulevées de la part des entreprises qui avaient essayé le test. Premièrement, c'est que ce test-là fonctionnait uniquement dans le sirop d'érable et non dans la sève. Donc, les résultats qui étaient obtenus n'aidaient pas beaucoup les producteurs parce que le sirop était déjà produit, la sève était déjà transformée, donc le bois, l'électricité n'importe quel combustible était déjà consommé, le staff était déjà rentré, donc ça avait peu d'impact sur les décisions d'entreprise. Ensuite, les producteurs ont mentionné que l'interprétation des résultats était difficile dans les zones de transition. Donc, si vous vous souvenez, la première image que je vous ai montrée, on voyait tout le spectre des couleurs. Mais c'était difficile à l'œil de venir distinguer les petites nuances dans les différentes couleurs, surtout dans les zones de transition, qui sont les zones les plus importantes. C'est les zones où est-ce qu'on va avoir les défauts de ça, les transitions entre crochets VR1, entre
VR 1 et VR 5, mais c'est les zones qui ont un impact financier important pour les producteurs et productrices. Et c'est là où on avait le plus de difficultés à interpréter le test, ce qui était un aspect négatif. Ensuite, c'est que le résultat du test coloré faisait juste apporter un indicatif si on avait dépassé une certaine limite et non à quel point on l'avait dépassé. Donc, si on peut faire l'analogie là, d'une voiture sur l'autoroute, le test coloré faisait simplement dire si on avait dépassé la limite de 100 km/h, mais elle ne disait pas si on allait à 110 ou à 210 km/h. Donc ça ne faisait pas la différence si on était plus dans un défaut léger ou un défaut important. Donc ça, c'était les problématiques qui avaient été identifiées en 2019. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on, à la suite de ces commentaires-là, on est retourné au laboratoire puis on a tenté de venir résoudre ces problématiques-là. La principale problématique, comme on l'a mentionné, c'est que le test fonctionne uniquement dans le sirop d'érable. Mais qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est qu'on a posé une hypothèse de départ. C'est que si les propriétés physico-chimiques qui causent l'émergence de saveurs ornantes, comme le bourgeon dans le sirop d'érable, sont également présentes dans la sève, dans le concentré de sève, bien, le test coloré devrait aussi fonctionner dans ces matrices-là. Donc, on pourrait utiliser le test coloré pour prédire l'émergence des saveurs hors normes dans ces sirops d'érable-là. Donc, on s'est posé la question suivante. Est-ce qu'il est possible de doser les différents éléments du test coloré, donc la sève, le sirop, le réactif et l'eau, pour produire des résultats qui seraient aussi valides dans la sève et le concentré, qui répliqueraient ceux dans le sirop d'érable? Donc, on pourrait avoir une idée de la qualité du sirop d'érable avant de transformer cette sève-là en sirop. Ensuite, on a voulu regarder c'était quoi les utilisations possibles du test coloré qui fonctionne sur la sève pour les producteurs et les productrices. Donc, si les producteurs et les productrices avaient cette information-là avant de produire le sirop, comment ils pourraient utiliser cette information-là? Puis finalement, on a voulu aussi modifier le design du test coloré. Donc, comment le test est fait à la cabane à sucre pour optimiser le résultat, pour avoir une meilleure, pour avoir, être en mesure de mieux faire le résultat de façon plus précise, mais aussi pour en tirer le maximum des avantages du test coloré. Donc, après le développement en laboratoire, on est venu avec une deuxième version du test. Donc, les améliorations, c'est que le test va fonctionner dans le sirop et dans la sève à plus de 5 Brix. Et on va aussi avoir une interprétation de la couleur qui est plus précise. Parce que là, cette année-là, en 2020, on a équipé les producteurs et les productrices avec un spectrophotomètre. Et finalement, on a aussi des résultats qui donnent une indication de l'intensité du défaut de saveur et non pas juste si on a dépassé une certaine limite. Donc, maintenant, je vous amène au schéma d'en bas. Donc, comment la deuxième version du test coloré fonctionne? C'est qu'on va sélectionner un échantillon analysé, soit du sirop d'érable ou de la sève. On va diluer ces échantillons-là pour l'amener à un Brix de référence. Ce Brix de référence-là qui a été sélectionné en 2020, c'était 5 Brix. Donc, si on a un sirop d'érable, bien, on avait un outil qui permettait de diluer le sirop d'érable pour avoir une solution à 5 Brix. Ça fonctionnait aussi avec le concentré de sève. Donc, si on concentrait, par exemple, à 15 Brix, bien, on avait cet outil-là qui permettait de faire une dilution du concentré de sève pour obtenir une solution à 5 Brix. On prenait cette solution diluée à 5 Brix-là, et on l'ajoutait goutte à goutte dans une cuvette qui contenait le réactif avec les nanoparticules d'or. Et on faisait le suivi de l'évolution de la couleur de cette solution-là à chaque fois qu'on mettait une goutte avec le spectrophotomètre. Quand on avait dépassé une certaine couleur, qui est la couleur qui est associée à une absorbance maximale à 600 nanomètres, bien là, on arrêtait le test. Et on comptait le nombre de gouttes totales qui avaient été ajoutées. Le nombre de gouttes qui avaient été ajoutées pour obtenir un résultat à 600 nanomètres était directement proportionnel à la quantité des molécules problématiques que l'échantillon contenait. Et ça, qu'est-ce qui était intéressant, c'est que ça fonctionnait avec les deux matrices. Donc, ce qu'on a demandé de faire aux producteurs,
c'est de faire l'évolution, la réaction du test coloré de façon quotidienne. Donc, à chaque jour, on a demandé aux producteurs et aux productrices de faire un test coloré sur leur sève et sur leur sirop, sur leur concentré de sève et leur sirop d'érable pour voir comment le test réagissait. Donc, vous voyez ici dans la graphique en bas, vous avez de haut en bas la réaction du test coloré. Donc, si on trouve avoir des points en bas du graphique, vers 520 nanomètres, on a une très faible réaction ou aucune réaction du test coloré. Puis, plus que les points vont monter en hauteur, plus qu'on va avoir une réaction intense au test coloré. De gauche à droite, dans le graphique, vous avez les dates. Donc, tout au long de la saison sercole, à chaque jour de production, les producteurs et les productrices prenaient un échantillon et le mesuraient le résultat du test coloré. Et finalement, en bas, vous avez une bande qui peut passer du vert au jaune et au rouge, finalement, qui donne une indication sur le classement du sirop d'érable de ces journées-là. Donc, comme vous le savez tous, habituellement, on va avoir une première section dans la saison circulaire où est-ce qu'on a du sirop régulier et les défauts naturels vont venir plus vers la fin de la saison. Et c'est ce qu'on remarque ici dans ce graphique-là. C'est qu'en début de la saison, vous avez les courbes en bleu, en vert et en orange qui correspondent à différentes dilutions de concentré de sève qui ne vont pas réagir en début de saison. Et on va arriver à un certain moment dans le coin du 20 avril où il va y avoir une réaction du test coloré soudaine d'une journée à l'autre. Et quand on regarde les classements qui sont associés à ces journées-là, mais c'est là qu'on passe d'une section de la saison où est-ce qu'on avait du régulier vers des défauts plus importants comme le VR. Donc, dans ces cas très précis-là, bien, le test coloré a été en mesure de prédire dans la sève que le sirop qui allait être produit cette journée-là allait avoir un défaut de saveur. Donc, ça, c'est un outil important pour un producteur de pouvoir être capable d'estimer le classement ou la qualité du sirop qui est produit. Et dans ce cas très précis-là, on a été capable de détecter l'émergence de saveur dans le concentré de sève avant la production. Dans l'autre cas ici, dans une érablière B, on a demandé exactement de faire la même chose. Mais là ici, vous voyez que en fonction des différents briques dans la sève, donc en fonction des différentes dilutions qui ont été faites dans la sève, vous allez voir que plus qu'on a une dilution qui est faible, donc à plus haut briques, à 0.75 briques dans la ligne bleue, on va avoir une réaction qui est plus tôt dans la saison que, par exemple, la courbe orange qui est associée à une dilution trois fois plus importante à 0.25 briques. Mais ça, c'est dû au fait où est-ce que quand on va diluer notre échantillon, on va diluer tout ce que l'échantillon contient, incluant les molécules problématiques. Donc, ça va prendre plus de gouttes pour faire réagir le test à 0.25 briques qu'à 0.75 briques. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fonction du classement, bien, encore une fois, quand on commence à avoir des défauts plus importants en jaune, bien, il va y avoir une réaction du test coloré qui est forte d'une journée à l'autre. Puis on va rester comme ça tout le reste de la saison. Et quand on va avoir des défauts plus importants dans le VR5, on va aussi avoir une réaction qui est très forte. Donc, qu'est-ce qui est utile de savoir ici? C'est que dans les cas où est-ce qu'on a dilué plus fortement l'échantillon concentré, donc ça va réagir plus tard dans la saison. Donc ça, c'est la ligne en orange, elle prédit mieux l'émergence de défauts plus importants comme le VR5, comme vous voyez dans la barre en bas, en rouge. Donc ça, qu'est-ce que ça nous donne comme indice? C'est qu'on est capable, en fonction de la dilution de l'échantillon, de venir prédire différents défauts ou intensités de défauts de saveur dans une saison circole dans la sève. Donc, dans le concentré de sève, désolé. Donc, ça, c'est un indicateur très important. Ça fait en sorte qu'on est capable de prédire l'émergence de ces saveurs-là dans le sirop d'érable. Maintenant qu'on sait qu'on est capable de prédire ça, de prédire l'émergence de ces saveurs-là, comment on utilise le résultat du test coloré à la cabane à sucre lors d'une production acéricole? Donc, en 2020, on a demandé aux érablières, aux clubs d'encadrement technique en acériculture,
de comment ils ont utilisé ces résultats-là. Donc, voici les réponses qu'on a obtenues. C'est premièrement, quand on faisait le test dans le concentré de sève, on a utilisé le résultat pour ne pas mélanger la sève ou du concentré de sève qui avait une forte chance de développer un sirop d'érable aux propriétés hors normes, comme le bourgeon, à de la sève qui aurait pu produire du sirop régulier. Donc, souvent, on va avoir de la sève qui provient de différents versants ou de différentes érablières. Bien, à ce moment-là, les producteurs savent souvent qu'il y a certaines érablières plus chaudes qui vont produire du sirop d'érable hors normes plus rapidement. Mais là, ça permet de faire une meilleure gestion des intrants à la cabane à sucre. Donc, quand on a de la sève qui vient à la cabane à sucre, on la teste. On sait que cette sève-là a le plus de chances de faire un sirop de bourgeon. On va la mettre de côté. On va faire la sève qui a moins de chances de développer du bourgeon en premier. Puis à la fin, on va venir optimiser le rendement de l'érablière. Ensuite de ça, bien, ça peut servir à mieux prévoir les transitions entre chacune des étapes de la saison. Donc, au début, on a une grande période où est-ce qu'on va faire du sirop régulier, pas de problème. Mais si on fait le test à chaque jour, on va être capable de mieux prévoir les premières pointes de crochet, les pointes ensuite de sirop à défaut plus importants comme les VR1 et les VR5. Donc, le test coloré a été utilisé pour mieux prévoir les transitions. Ensuite, ça a été aussi utilisé pour adapter ou stopper la production du sirop d'érable en fonction des propriétés physico-chimiques de la sève. Donc, comme j'ai mentionné, quand on a un versant plus chaud, avec l'aide du test coloré, on peut servir des résultats pour dire, OK, bien, on va arrêter de récolter la sève qui vient de ce versant-là ou de cette érablière-là, parce que les indications que le test coloré nous donne, c'est qu'on va produire du sirop qui a un rendement économique moins important. Donc, ça peut être utilisé pour ça. En gros, c'est les choses qui ont été mentionnées par les producteurs. Fait à noter ici, c'est que les résultats qu'on a pour l'instant ne sont pas assez fiables pour être interprétés là, au pied de la lettre. Donc, les résultats les utilisations qu'on vous mentionne ici, c'est des utilisations qui ont été faites, qui ont été réussies, mais pas dans 100% des cas. Donc, il y a encore de la recherche qui doit être faite afin d'améliorer le test puis de pouvoir utiliser les résultats du test avec plus de fiabilité. Puis ça nous amène à la prochaine section qui est les recherches en cours et les recherches futures à l'Université de Montréal. Donc, en ce moment, on travaille fortement à mieux identifier les composés qui sont uniques au sirop d'érable VR5 afin d'identifier les molécules qui sont directement responsables des saveurs, comme celle du bourgeon. Donc, en ce moment, le but ici, c'est d'identifier les molécules qui goûtent dans le sirop d'érable. Donc, idéalement, l'objectif ici, ce serait de prendre un sirop régulier qui n'a aucun défaut de saveur et de rajouter un cocktail de molécules qui fait en sorte qu'on crée un sirop d'érable bourgeon artificiel pour être en mesure de dire comme, OK, bien là, voici les molécules qui sont directement responsables de ces saveurs-là. Donc, ça va nous permettre de développer des tests qui sont encore plus précis parce qu'on va connaître les molécules qui sont directement responsables de l'émergence de saveurs comme celles qui sont associées au sirop d'érable VR5. Ensuite, on va vouloir continuer d'explorer les différents facteurs physico-chimiques qui sont contenus dans la sève et qui permettent de prédire l'émergence de saveurs hors normes. Donc, on avait déjà testé le pH, le Brix et compagnie, mais on va vouloir étendre aux acides aminés, à différents composés azotés, décomposés soufrés, pour avoir une meilleure idée de l'ensemble des paramètres physico-chimiques qui permettent de prédire l'émergence de saveurs hors normes. Ça va nous permettre de développer des meilleurs tests et d'améliorer le test coloré. Ensuite, bien, il va y avoir le développement d'une nouvelle version du test coloré qui va fonctionner directement sur la sève, donc qui sort de l'érable. Donc, en ce moment, la version numéro 2, comme je vous ai mentionné précédemment, fonctionne bien avec le concentré de sève. Mais qu'est-ce qui est souhaité ici, c'est qu'il n'y ait aucune dilution d'échantillon, qu'on puisse utiliser la sève qui sort directement de l'érable, donc de remonter le plus proche possible de la nature dans le processus de la production du sirop d'érable et pour pouvoir faire le test coloré directement sur ces échantillons-là.
Donc là, on est dans la recherche avance bien de ce côté-là, puis on espère pouvoir mettre à l'essai l'année prochainement une version qui fonctionne dans la sève non concentrée. Et finalement, c'est d'étudier le lien entre l'évolution de certains paramètres physico-chimiques et l'impact des méthodes de production sur l'émergence de saveurs hors normes dans le sirop d'érable, pour mieux conseiller les producteurs et les productrices dans la production de sirop d'érable. Donc, ici, on commence à mieux connaître c'est quoi les paramètres physico-chimiques qui ont un impact sur l'émergence de défauts de saveur. Mais qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que ça a vraiment, c'est seulement une partie de l'équation. Et l'autre partie de l'équation, c'est comment le sirop est produit. Donc là, dans la production de sirop d'érable, il y a une panoplie de paramètres qui sont contrôlés par les producteurs et les productrices. Puis ce qu'on se rend de plus en plus compte, c'est que l'importance de ces paramètres de production-là prend une place de plus en plus grande dans l'équation qui mène à un sirop qui goûte X ou Y. Donc, on va vouloir mieux étudier les liens entre les paramètres de production et les paramètres physico-chimiques. Puis ça va nous permettre de mieux vous conseiller en tant que producteur et productrice lors de la production de sirop d'érable. Donc, ça, c'est ce qu'on veut faire dans le futur. Donc, en conclusion, les résultats qui ont été obtenus à la saison 2019 sont très encourageants sur le sirop d'érable. Cependant, il reste encore du développement à faire avant d'avoir un test et un outil qui est fiable pour l'ensemble des producteurs et des productrices. Un test coloris pourrait être disponible à l'ensemble des producteurs et des productrices dans les prochaines années à un prix unitaire abordable. C'est ce qui est visé à l'Université de Montréal. Ensuite, après l'analyse de 30 000 échantillons de sirop d'érable, on remarque qu'il est encore difficile de distinguer avec assez de confiance certaines catégories, notamment les verres d'ose des BA5. Ça, c'est un problème. Puis, si vous vous souvenez, il y a aussi d'autres problèmes qui sont difficiles à distinguer, comme par exemple les verres 11 et les réguliers. Donc, en ce moment, à cause de ces freins-là, il n'est pas prévu d'utiliser ou de conseiller le test coloris, l'utilisation du test coloris pour le classement du sirop d'érable. Dans le moment, la plus-value du test coloris, selon nous, elle est vraiment présente au niveau de la production de sirop d'érable dans les érablières. Comme j'ai mentionné, les résultats du test coloris dans la sève pourraient être un outil important pour les producteurs et les productrices de sirop d'érable à l'érablière. Et c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre présentement à l'Université de Montréal. Ensuite, à partir des résultats obtenus, on peut penser que le test coloris permettrait d'indiquer directement à la cabane si un défaut de saveur de fin de saison est présent dans la sève. Donc, à partir de ce moment-là, ça va permettre aux producteurs et aux productrices de faire une meilleure gestion de leur intrant avant même la transformation. Donc ça, selon nous, ça va être un aspect important du test coloris dans le futur. Et finalement, il y a encore beaucoup de recherches qui restent à faire. Donc, le test coloris, ça ne sera pas pour 2021, mais on est confiant de pouvoir vous offrir dans les prochaines années un test qui va être abordable et disponible à tous prochainement. Mais finalement, j'aimerais aussi remercier l'équipe de recherche parce que je ne suis pas tout seul qui travaille sur ce projet-là. Donc, vous avez ici l'équipe à l'Université de Montréal qui travaille sur l'ensemble des projets qui sont reliés aux saveurs dans le sirop d'érable. On travaille le plus fort possible pour vous amener des outils qui sont ancrés dans la réalité des producteurs et des productrices. Le but ici, c'est vraiment de vous outiller à faire du meilleur sirop d'érable. J'aimerais ça les remercier pour le travail quotidien qu'ils effectuent à l'université. On aimerait ça aussi remercier nos partenaires financiers. Donc, tout ça est possible grâce à l'argent qui est investi, notamment de la part des producteurs et des productrices à Circa du Québec pour faire la recherche, pour développer des outils pour vous, vous aider dans cette production-là. Donc, merci à nos partenaires financiers. Et finalement, j'aimerais aussi remercier l'ensemble des producteurs, des productrices, des conseillers et des conseillères techniques en acériculture de leur implication dans les projets de recherche. Au quotidien, ils ont fait un effort pour devenir des producteurs et des productrices qui se connaissaient un petit peu plus en chimie. Et moi, de ma part, j'essayais d'être un chimiste qui se rapprochait le plus possible de la réalité
des acériculteurs et des acéricultrices. Puis je suis content que, grâce à notre collaboration commune, bien, on connaisse un petit peu plus la réalité les uns des autres. Et leur input dans le projet est vraiment essentiel. Donc, j'aimerais les remercier. Et finalement, j'aimerais vous remercier de votre attention. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vais vous donner mon adresse courriel qui est le simon.forêt.2@commercialumontréal.ca. N'hésitez pas à me contacter, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. En attendant, j'ai compris que la présentation elle est disponible en vidéo et seulement les diapositives également. Donc, n'hésitez pas à revoir cette présentation-là et si vous avez des questions qui demeurent, n'hésitez pas à me contacter. Donc, merci beaucoup pour votre attention et à une prochaine fois.